Le National Enquirer avait révélé la relation extra-conjugale du multimilliardaire avec l'ancienne présentatrice de télévision Lauren Sanchez. L'hebdomadaire américain à scandale avait alors publié en fin janvier des textos passionnés, échangés entre les deux amoureux. Le patron d'Amazon avait annoncé, en début d'année, son divorce avec sa femme, Mackenzie, mettant ainsi fin à 25 ans de mariage. Kylie Jenner devient la plus jeune milliardaire du monde, l'homme le plus riche de tous les temps, ces nouveaux venus qui révolutionnent la course spatiale après l'éclatement du scandale. Jeff Bezos, par ailleurs propriétaire du Washington Post, avait accusé le National Enquirer, réputé proche de Donald Trump, le président américain, de tenter de le faire chanter. Selon le Wall Street Journal, qui a rebondi sur cette affaire lundi, les textos romantiques de Bezos auraient été vendus par Michael Sanchez, un proche de M. Trump. Mais le frère de la maîtresse de l'homme d'affaires considéré comme le plus riche du monde refuse de s'exprimer sur le sujet. Jeff Bezos, pour sa part, est convaincu que de sérieuses pistes désignaient des mobiles politiques. Donald Trump considère son journal, le Washington Post, comme un ennemi du peuple et une source de fake news, fausses informations.